qu'est-ce que l'autisme ? L'autisme est un trouble du développement neurologique caractérisé par une altération des interactions sociales. Autrement dit, c'est un trouble du développement qui touche les fonctions cérébrales ayant une incidence sur les interactions sociales, les intérêts, la communication et le comportement. Il est important de relever que l'autisme est un handicap et non une maladie. Cela ne se transmet donc pas. Dans le langage courant, on peut entendre parler d'autisme, de spectre autistique, de TSA, trouble du spectre autistique, de TED non spécifique, trouble envahissant du développement non spécifié, du syndrome d'Asperger, du syndrome de Rett et de TDE, trouble désintégratif de l'enfance. Depuis la parution du DSM-5, le syndrome de Rett et le trouble désintégratif de l'enfance ne font plus partie de la catégorie des troubles du spectre de l'autisme. Aujourd'hui, le terme utilisé est le TSA, bien que les personnes, enfants ou adultes, ayant un TSA, peuvent se distinguer les unes des autres. Voilà pourquoi on parle des troubles du spectre de l'autisme. Vous l'aurez compris, il n'existe donc pas une, mais plusieurs formes d'autisme. À vrai dire, il en existe autant qu'il y a de personnes touchées par ce handicap. Le diagnostic des TSA repose sur deux critères qui sont la communication, les relations sociales, et le comportement, les intérêts. Pour apprendre à les connaître, il est important de les écouter afin de comprendre leurs particularités. Prenons l'exemple de plusieurs d'entre eux. Arthur est un jeune homme de 29 ans atteint de TSA. Il travaille au magasin 8OA où il est animateur. Pour lui, il est difficile de comprendre le degré d'affinité avec les personnes, de savoir quoi dire, de parler au bon moment ou de poser les bonnes questions. Tous ces questionnements le rendent très anxieux et lui provoquent beaucoup de stress. Meryl a 16 ans. C'est une jeune fille très souriante qui adore la musique. Autiste non-verbal avec une déficience mentale, Meryl a des difficultés à gérer ses émotions et à s'exprimer. Pour communiquer, elle utilise un classeur contenant des photos d'elle en train de réaliser une action et des pictogrammes lui permettant ainsi d'interagir avec le monde. Quentin est un petit garçon de 11 ans, passionné par l'astronomie. Dans son quotidien, il a des difficultés à s'imposer dans un groupe. Hypersensible au monde qui l'entoure, la foule, le bruit et les changements imprévus lui provoquent de l'anxiété. Il aime cependant que ses copains viennent vers lui pour lui proposer de jouer. Aurore a 37 ans. Pleine de joie et de bonne volonté, Aurore s'est toujours sentie différente, mais ne comprenait pas en quoi. Ne s'intéressant pas aux activités des femmes de son âge, Aurore développe alors un intérêt restreint pour Harry Potter. Aurore a également du mal à s'imposer et à dire non. Il ne faut donc pas hésiter à lui demander si elle est sûre de son choix. Chacun de ces profils réagissent et ont besoin d'un accompagnement différent. Il existe de nombreux moyens d'adaptation et d'outils pour pallier ces différences. Ce sont toutes ces particularités qui forment l'autisme, faisant d'eux des êtres uniques.